cette semaine dans Voici, son rôle de cette star le gère comme un chef. Il attendait ça depuis tellement longtemps, son rêve s'est enfin réalisé. Au printemps dernier, cette star du petit écran a découvert pour la première fois le bonheur d'être papa. Et à le voir aussi souriant, ce ne sont pas les heures de sommeil en moins qui nuisent à son équilibre. Toujours aussi fou de travail, il trouve tout de même le temps nécessaire à consacrer à sa petite famille. Pas de doute, la recette du bonheur est entre ses mains et ça n'est pas prêt de changer. Ce documentaire Netflix était-il vraiment une bonne idée? En 6 épisodes, diffusé jeudi 8 décembre. 3 mois jour pour jour après la mort de la reine pour les 3 premiers et ce jeudi 15 décembre pour les suivants. Le prince Harry et Meghan Markle veulent livrer leur vérité. Mais ce grand déballage plein de contradictions ne semble pas servir leur cause, bien au contraire. Rien ne va plus pour Céline Dion. Depuis des mois, la diva canadienne a mis sa carrière en pause à cause de ses nombreux problèmes de santé. Pour la première fois, elle s'est livrée sur le mal qui la ronge. Au sommaire également, Lily Collins, la star d'Emily in Paris, file le grand amour. Vanessa Paradis fête la semaine prochaine ses 50 ans, retour en images sur les hommes et les événements qui ont jalonné sa vie. Des couples qui se renouent à la matière de Jennifer Lopez et Ben Affleck, il y en a pas mal sur la planète People. Retour sur ces stars qui ont choisi de s'offrir une seconde chance. Qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur? Pas nous en tout cas, car en mode. C'est le must-have à avoir. Le métallisé se fait une place dans votre dressing et vous assure un style ultra tendance. En total look, mais sans ressembler aux frères Bogdanov de temps X, ou par petites touches. Il se décline à l'infini sur de nombreuses pièces. Tout ça et bien plus encore à retrouver dans le nouveau numéro de Voici en kiosque ce vendredi 16 décembre 2021. Et pour ne manquer aucun numéro de Voici, découvrez nos offres exceptionnelles.